Salut à tous, c'est Mister Fanax et quelques autres pour un nouvel épisode de Dragonia 5985, le jeu de rôle. Quelques autres, on est tous là. Hein. On tourne, merde. Bonjour. Et donc. Bonjour. Bonjour les gens. On est tous là. Et oui, bah, pour une fois, on est tous là, même Volker. Excusez-moi, il manque une personne. Oui. C'est bon, on est au tout complet. Pas exactement ça. Il manque la malédiction. Ah, bah évidemment, elle était absente aujourd'hui, on en a profité pour. Bien Louise, et puis voilà quoi. Hein. Je tiens à le préciser, c'est un miracle. Alors. C'est notre personne. Elle est donc, pas là. Dans le précédent épisode, donc vous avez. Était attaqué par une horde de soldats qui étaient manifestement des chasseurs de loups-garous, parmi lesquels se trouvaient des gardes du château. Un homme en scénario. Et ils étaient commandés par un homme étrange qui, après avoir fait mine de vous attaquer, s'est finalement retourné contre ses propres alliés, les a décapités avant de vous quitter. En vous faisant un clin d'œil. Techniquement, si avant il était contre nous et puis qu'il a décidé de se retourner contre ses alliés et qu'il est devenu allié avec nous, d'une certaine façon, c'est pas un allié, parce qu'on peut pas lui faire confiance. Vous pouvez difficilement lui faire confiance, c'est sûr. Il a dit qu'il était allié avec nous. Et donc, après. On est dans le previously, là, les débats c'est après. Et donc, après ce massacre dont vous êtes sorti victorieux grâce à. Un nombre incalculable de réussites critiques. Vous avez été repéré par d'autres gardes, des gardes loyaux au château, ceux-là, qui vous ont mis en prison pour un interrogatoire. Et donc. Je précise, ces gardes-là ne se sont pas fait décapiter. Et donc, ouais. Cela fait probablement des heures et des heures que vous êtes dans ces cellules en train de dormir. Vous ne vous en êtes pas aperçu. Pas vraiment, mais pendant votre sommeil, des guérisseuses du château sont venues soigner vos blessures. Ça veut des ailes et tout. Vous êtes tous plongés dans un profond sommeil. Ah bah, y a qu'un seul lit, donc tu dégages, Volker. Volker étant le plus blessé, Volker étant le plus blessé, il a eu le lit. Mais tu vas faire craquer le lit, Spiritus. Et donc, vous êtes tous plongés dans un sommeil causé par une potion que les guérisseuses vous ont administrée. Pour aider à votre guérison. Et Spiritus, qui a un organisme de loup-garou particulièrement résistant à toute substance, c'est toi qui es le premier à te réveiller. Qui ? Spiritus. Lui, là, monsieur. En même temps, essaie de droguer un loup-garou et tu m'en diras des nouvelles. Bon, bah déjà, je me dis que tant mieux, je vais un peu mieux. Il y a Mister Et tu vois des gens qui arrivent, qui sont devant ta cellule, accompagnés d'un garde. Il a réutilisé le skin du mage. Et qui commence à parler. Je vais pas réutiliser le skin du mage. En effet, Spiritus, donc, qui est le seul à être éveillé, toi et toi seul, tu vois le seigneur du château, le seigneur Maliar, qui est en train de discuter avec ce bon vieil Ovarel, cet homme étrange, ce mage que vous avez rencontré à plusieurs reprises et qui serait un envoyé du roi. Et donc, ils sont en train de palabrer à voix basse. C'est le seigneur Maliar, Spiritus, que tu entends en premier. Donc, la moitié de ma garde était composée de traîtres. Ces protecteurs de l'ombre, comme vous dites, ces chasseurs de loups-garous. Et Ovarel lui répond. Oui, j'en suis convaincu. La haine des loups-garous avait pris des proportions énormes chez certaines de ces personnes, au point qu'ils ont constitué une organisation secrète destinée à tous les détruire, les protecteurs de l'ombre. Et vous savez comme moi que les loups-garous immigrés venant de Varfol sont de plus en plus nombreux. Ces protecteurs ont certainement dû assassiner des familles entières de loups-garous. Enfin bref. Me voilà rassuré. Et le seigneur reprend. Et pour le chevalier de Calombe, avez-vous une idée d'où il aurait pu passer ? Il était le meneur des protecteurs de l'ombre, si j'ai bien compris. Vous croyez qu'un chasseur, qu'un amoureux des loups-garous aurait pu le chasser ? Qui sait ? Et donc, sur ces mots, Ovarel tourne les talons et lui dit « Bon,
Ravi d'avoir pu vous aider, mais je dois retourner faire mon rapport à Sa Majesté. Que les phénix le bénissent. Je sais que vous avez régulièrement eu des problèmes avec les loups-garous, monseigneur, et que vous ne les appréciez pas franchement. Mais essayez de raisonner votre population et vos gardes. Et doit comprendre que les loups-garous sont des citoyens comme les autres et qu'ils sont protégés par la loi. Ces massacres doivent cesser. Ah, et n'oubliez pas de relâcher tout cela. Conseillez-leur de ne pas trop traîner dans le nord. Avec un loup-garou, même camouflé, ils ne tarderont pas à se faire attaquer. Enfin bref, je vous fais confiance pour éliminer ces soi-disant protecteurs de l'ombre. A bientôt, je l'espère. Et donc, Ovarel sort de la pièce. Oh ! Et à cet instant, le capitaine donc regarde Spiritus. Que fais-tu ? Je leur dis ouais, désolé d'avoir un peu écouté aux portes, je me suis réveillé, mais je voulais pas vous interrompre. J'ai donc entendu qu'on devait éviter le nord, ne vous inquiétez pas, je préviendrai mes amis. Et donc le seigneur sursaute légèrement, comme s'il ne s'était pas rendu compte que tu étais réveillé. Et il fronce ses sourcils et émet un petit ricanement avant de chuchoter quelques mots à l'oreille du garde et de s'éloigner. Et du coup, voilà, c'est bien. Ok. Et du coup, on est encore dans la merde, je suppose. Bah, il y a Volker en train de mourir, toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais sur moi, je ne le vois pas aussi pacifique. J'ai une question. Ça met nous cet escalier-là, parce que c'est bizarre, parce que ça monte, mais puis il n'y a rien devant, là. Donc, est-ce que ça tourne à droite, là? Enfin, ça tourne à gauche, ou... Ça, en fait, c'est un escalier qui monte au premier étage. Ah, ok, attends. C'est l'intérieur. Si vous êtes dans la cave. Ah, ok. Attends. Traduction, tu dois comprendre que le premier étage est constitué d'une petite parcelle où l'escalier amène à cet endroit-là. Okay. Ce qui fait qu'on ne le voit pas forcément ici parce que c'est une parcelle reliée au premier étage, tout simplement. D'accord. T'es content ? Au pire, c'est le scénario. Et donc un certain temps passe. C'est pour la suite. Quelques minutes, vous voyez le garde... Je connais pas de temps, moi. Quoi ? T'as dit un certain temps passe, mais moi, je connais pas de temps. Hein ? Quoi ? Non, c'est quelques minutes, c'est cool. C'est quoi cette blague là ? C'était de la merde. Oui. Et donc vous voyez le garde qui s'éloigne, puis qui revient. Je dors là, en douille. Je dors. Et Spiritus, donc tu entends le bruit caractéristique de clé qu'on agite. Vous autres, vous commencez lentement à émerger du sommeil en entendant ce bruit-là, pendant que vous voyez les deux autres gardes, ceux qui ferait apparemment partie des protecteurs de l'ombre et qui ont tenté de vous tuer, se presser contre la porte. Alors, vous allez bientôt nous libérer ? Le garde ne tourne pas la tête vers eux et s'approche donc de ta cellule, Spiritus. C'est-à-dire ici, si vous n'avez pas compris, les gens. Et donc, à cet instant, le garde enfonce la clé dans la serrure. Spiritus, qu'est-ce que tu fais ? Attaque-le ! Ta gueule. J'attends qu'il m'ouvre gentiment. Une fois qu'il aura ouvert et qu'il m'aura laissé partir, je le remercierai. C'est bien. C'est l'attitude civilisée. Bah oui. Ah ok, je croyais qu'il voulait te tuer. Et donc, le garde, qui est sur le point de tourner la clé, soudain fronce ses sourcils et puis plonge la main dans sa poche. Il en ressort un petit flacon qu'il te tend en disant... Ceci, c'est l'antidote contre le poison que ces protecteurs de l'ombre vous ont administré. Vous devriez vous sentir beaucoup mieux quand vous l'aurez pris. Non, ne le fais pas maintenant, j'essaierai de l'examiner avant parce que. On sait jamais. Tu le prends. C'est peut-être un piège, je sais que. Si tu y tiens. Oui, mais par précaution. J'ai pas envie que tu meurs, quoi. Parce que t'es un peu le gros bras de la bande. Sinon, tu es éclaté, quoi. Et donc, il commence à ouvrir la porte et puis te présente le flacon en attendant que tu le prennes. D'accord, bon, du coup, je le prends et je dirais pour l'instant, il n'y a rien qui prête, je pense le prendre un peu plus tard. Très bien, Spiritus, fais-moi un test d'intelligence. Ah merde, il a perdu. je crois que t'as pas beaucoup d'intelligence. C'était pas con, mais. Ah ouais, 35, ah putain. Ouf, 38. Même 78, même avec les bonus que tu aurais dû avoir, eh bien, ça ne passe pas du tout. Très bien, donc. À l'instant où tu vas saisir le flacon, tu tends le bras, tu ne te méfies pas, et tu vois un couteau qui brille et qui fonce vers toi, vers ta poitrine,
Mais je te l'avais dit. Vers l'endroit donc que tu as découvert en levant ton bras. Ouais, le mec, il avait et tu l'entends à cet instant qui crie le Seigneur pense peut-être qu'il faut vous épargner, mais moi je sais que les loups-garous sont des monstres. Mais je t'avais dit de bourrer dedans, je t'avais dit de bourrer, tu m'as pas écouté. Fallait lui mettre un gros coup dans la bouche et puis voilà, c'est fini. Que fais-tu ? On aurait eu deux fois plus de problèmes, je pense. Ouais, donc, mais il n'aurait pas pu tarder, hein. Hop, Spiritus, donc... Youp. Tu te fais grave défoncer, là. Tu te fais grave défoncer. Voilà. Très bien. Tu peux tenter éventuellement une esquive avec un malus de... Une malus de 20, mais je pense que tu n'es pas beaucoup en esquive de toute façon. Je sais pas. Il pourrait tenter une parade, genre il lui met un coup de boule, enfin je sais pas, parce que là il est tout près de lui, donc il est plus grand que le mec. Donc, Il peut juste tenter de l'esquiver là. Il est pas vraiment possible. Ah, c'est pas parade. Parade. Ah, 20%. C'est de l'agilité avec un bonus. Ah, c'est déjà ok, bon. Ça devrait passer normalement. Pas sûr. Non, attends. Je sais pas si. Si on utilise, vous les pieds sur le lit et ça sommeille. Parade 1. C'est pas barat, c'est agilité, mais il n'y a pas là. C'est adresse, quoi. Eh ben effectivement, donc ça passe, malheureusement. Parce que tu as un bonus d'adresse vu qu'il s'agit d'un comportement classique de loup-garou et pas un comportement qui demande une forme d'adresse très compliquée. Oh, il tente de te poignarder, mais même si tu n'avais pas franchement vu le coup venir, tes réflexes ancestraux de loup-garou te permettent d'éviter le coup. D'accord. Et donc en évitant, tu tombes sur le sol, plaqué contre le lit, et le garde donc brandit de nouveau son couteau et s'apprête à te frapper. T'as vu un coup Les mecs, enfoncez la porte de votre cellule, j'ai besoin d'aide. Et donc, à l'instant où il va te tuer, tout simplement, vous entendez comme un énorme grondement. Okino et Volker. Vous ressentez un mal de tête extrêmement violent et vous manquez vous évanouir. Je peux pas tenter un test de résistance. Vous pouvez tenter un test d'intelligence si ça vous amuse. C'est Volker et un. Bon, Volker, si t'es en train de pioncer, on va juste te dire que tu te réveilles. Donc Okino qui était en train de prêter. Attention à ce qui était en train de se passer, perçoit une onde de magie gigantesque qui tout simplement le met KO. Il s'effondre sur le sol en se tenant la tête à deux mains. Non, Volker, toi tu ressens une douleur très violente, tu tombes du lit et tu te réveilles. Oh, encore cette putain de... Frosty, toi aussi, tu as extrêmement mal à la tête d'un coup. Tu sens que c'est... en relation avec ce qui, dans ton cerveau, te permet de faire de la magie. Tu ressens donc une très violente douleur, mais tu ne t'évanouis pas. Spiritus, la magie pour moi... Spiritus, toi, t'es légèrement ébranlé, mais rien de plus. Mais ça, logiquement, ça me fait presque rien, parce que moi, la magie, mage, je suis plus corps à corps, et je suis un humain, donc... Ouais, mais t'es mage, Je suis pas mage, moi. T'es mage d'illusion. J'ai juste ça en magie, je devrais pas avoir non plus des trucs. Est-ce que je vois les deux gardes qu'il y a là-bas en face? Est-ce que je les vois aussi sortir quelque chose avant là, et là t'es en train de t'évanouir. Avant d'évanouir, tu ne regardais de toute façon pas franchement dans cette direction. Regardais le mur en fait là. Tu te sens pas avoir vu quoi que ce soit. De toute façon, je vais pas te faire de test de perception alors que tu viens de t'évanouir comme une merde. Très bien, donc soudain, à la seconde qui suit, le sol se met brusquement à trembler, le garde recule interloqué, et puis soudain, je jure, c'est pas moi. Le sol se met à vibrer très violemment, et vous entendez comme des crissements, des bruits d'animaux primitifs que vous ne reconnaissez absolument pas. Le garde s'écrie affolé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à cet instant-là, sa tête tombe de ses épaules, sectionnée net. Et là, tu vois Spiritus. Et Spiritus, tu es le seul à voir une créature abominable qui grimpe sur son cadavre pour s'élancer vers toi. Oh putain. Et merde. Il a trouvé l'intermédiaire aux araignées. On est foutus. C'est quoi ça C'est déjà, nous on voit que dalle, STK. Donc, déjà, nous là, on est en train de. On entend devant l'entrée.
Je suis aussi installé devant l'entrée. Non mais quand je dis qu'est-ce qu'il y a, moi je pense juste avoir une gueule de bois, alors voilà. Volker a une gueule de bois +++. Oui, mais j'ai juste l'impression d'avoir une gueule de bois, ce qui me... Moi j'ai mal à la tête, j'ai l'impression d'avoir pris... Et donc, pendant ce temps-là, les rares qui sont encore en état de faire quelque chose, c'est-à-dire Frost et Spiritus finalement, vous voyez donc un nuage de poussière qui se répand dans la pièce, les dalles commencent à se soulever. Certaines dalles se soulèvent comme si quelque chose les poussait par en dessous. Et peu à peu, vous deux, vous voyez d'autres de ces choses qui émergent d'entre les dalles, qui émergent de la terre. Elles sont de plus en plus nombreuses. Donc s'il arrive, je balance mes dagues et derrière lui, tu me couvres. T'as pas ton... Ah oui, mais il est bourré, lui. Et les vibrations magiques que vous avez ressenties, vous quatre, redoublent de violence. Je propose mon idée parce que je suis celui qui peut faire le plus gros dégât à travers les barreaux. Est-ce que tu pourrais me passer ton arc? Okino, commence pas à suggérer des choses, monsieur l'évanoui. Bon, foutez-lui une claque si vous voulez. Spiritus, Spiritus, tu commences. Logiquement. Est-ce que je peux l'atteindre d'ici? On va lui foutre un coup. T'es pas forcément dans une position très favorable parce que t'es au sol, plaqué contre le lit, mais tu peux la frapper parce qu'elle s'élance vers toi, tout simplement. J'essaie quand même, quitte à avoir un malus, j'essaie quand même. C'est brave. Très bien, donc test de force avec un malus de 10. Alors attends, ça me fait 55. Et donc les bruits résonnent toujours dans le château. Vous commencez à entendre des hurlements. Tandis que d'autres créatures surgissent du sous-sol. Non, il y en a trop là. Ah oui. C'est une invasion. Très bien. Donc la créature bondit vers toi. Sans réfléchir, tu lui donnes un violent coup de patte. Ta gueule. Qui la repousse sur le côté. Des tifs. Elle tombe donc sur le dos. Elle agite les pattes dans tous les sens. Et tu peux faire un dé de 6. Oh oui, c'est adorable. Oh putain. C'est adorable, ça va te bouffer la gueule. Je crois que ça fait 3 à peine. Vas-y, fais. Ouais, ça fait 3. Ah, tu peux voir nous ? 3 de dégâts. 3, très bien. Ça va, c'est bien. 3 sur 6, ça va. Hein. Moi, je fais que des. Je crois pas que vous soyez autorisé à voir les barres de ces machins-là, les barres de vie. Mais enfin, tu vois qu'il a été pas très sévèrement touché. Sa chitine a amorti le plus gros de l'impact. Okino, donc, tu ne fais rien. Tu es évanoui. T'es mort. Pendant ce temps-là, donc Valiel commence à courir dans tous les dans commence Valiel, à courir dans tous les sens et Frost, non, vois l'image de Valiel, donc le petit démon qui se brouille et puis soudain il perd brusquement son apparence de champignon et prend celle d'une boule de lumière au contour pas franchement net qui brille faiblement. Et alors, tu entends de petits hurlements, de petits couinements, comme si Valiel souffrait. Je ne dirai rien. Mais il dit rien. Déjà, j'avais deux idées. Soit je faisais un test de perception pour savoir ce qu'il mangeait, pour faire une illusion, pour faire croire que qu'il y avait une illusion pas loin, à côté. Pas compris que c'est nous qui veut bouffer. Soit je balance la boule de lumière, et pour qu'ils aillent, qu'ils se cassent, et pendant qu'on les attaque par derrière avec mes couteaux et lui avec son arc. Genre, je prends la. Effet spécial extrême. Oui, il est un peu gros ta boule, le mec. Ouais. Voilà. Ceci est un effet spécial. Ok, je le prends. Parce que là, sinon, je vais faire. Je peux là. Oui, non, alors, non, il avis, est. Non, mais là, ça, avis, c'est. Il est immatériel. Je peux le prendre. Ouais, dis que je le prends. Tu prends de la fumée, très bien. Donc, tu agites les bras dans le vide. C'est que de l'énergie. C'est que de l'énergie. Voilà. Ah mince, je vais essayer de faire un test de perception si je peux pour définir ce que c'est, peut-être que je connais De quoi, la boule? Non, les créatures. Ah oui, créatures. Ce qu'ils aient, peut-être que j'avais déjà vu ça dans un bouquin. Très bien. C'est combien qu'il faut? Je peux me faire un intelligence. Oui, cette porte est verrouillée. Spiritus est libre, lui, mais bloc, hein. Mais cette porte mais est verrouillée. Oui, je sais, justement, mais Frost peut voir à travers les barreaux. Il y a quelques petits barreaux. Mais tu m'as parlé. Oui. C'est intelligence du coup pour la perception ou... Ouais. Oui. Je vais faire un dé de 100 du coup. Oui, par contre, tu auras un malus de 30. De 30 ? Eh oui. Dur. Parce que tu, apparemment, ne les connais pas trop. Le mec, il va trouver le moyen de faire une réussite critique. Très bien. Ok, c'est une araignée. Tu regardes ces grosses choses, ces grosses bestioles, et.
Si tu te demandes ce que c'est, tu n'arrives pas à définir. Ça ressemble à d'énormes insectes de 2 mètres de long, mais tu n'as jamais vu ça de ta vie. Essaie de tirer à l'arc à main sur toi, tu pourras jamais. Très bien. Okino, t'es dans les pommes. Volker, tu es très bourré, que fais-tu? Non, je suis pas bourré. Je suis réveillé. Je suis clean. C'est juste le mal de tête qui me donne l'impression d'avoir une gueule de bois. Nuance. Que fais-tu? J'ai expliqué ça depuis le début, mais personne ne le fait. Alors, de toute façon, en premier, je file mon arc à l'autre assassin parce que je sais. Tu es plus d'argent que toi? Tout simplement que voilà. Il a pas la gueule de bois, lui. J'ai une Simplement, bah, je peux pas faire grand chose à part essayer de me coller à la porte pour voir c'est quoi le truc qui tambourine derrière. Je suppose que je vois ces. Essaye de faire aussi un test de perception parce que. Attends, qu'est-ce que j'étais en train de vouloir faire? Je sais pas. Donc, je fais un test de perception des 100, c'est ça? Hop, et tes pouvoirs de prêtre ne font que tu n'as qu'un malus de 10. Et bah, c'est quand même foiré, non? Très bien, donc tu regardes par la lucarne, tu essaies de déterminer. Mais je reconnais ces trucs là! C'est ma grand-mère. ça te rappelle un lointain parent nain, mais... Oh putain, Spider-Man. Mais tu clignes les deux yeux et tu te rends compte que... Non, je ne sais vraiment pas ce que ça pourrait être. Merde. Et ça n'est finalement pas un nain. Et donc, à l'autre bout de la pièce, vous entendez des hurlements. Ce sont les hurlements des deux gardes qui étaient enfermés. Et vous entendez des craquements de bois, car un de ces insectes apparemment est en train de forcer la porte. Ils ont encore leurs armes ou pas? Les deux loupiaux là, non, ils n'ont plus leurs armes. Ah bah ils vont se faire déglinguer alors. Ah bah évidemment. Yes, mec. Mais il y en a beaucoup de putain de mecs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, Spiritus, c'est à toi. C'est... Non, vas-y mec, pas 9, c'est bon, 8, c'est pas le radin. D'accord, mais 10. Mais 10, ouais, vas-y, 10, allez, vas-y. Vas-y, mais... Spiritus. Mais enfants, donc, celle qui est de... La créature qui est devant moi est sur le dos, il ne peut visiblement rien faire pour l'instant. Tu le balances lui à la goule. Boum. Est-ce que les autres zigotos là, les messieurs qui sont là peuvent m'entendre de ma cellule? Bah oui, en oui, si tu gueules. Mais je pense qu'ils ont autre chose à faire. Non, parce que je voulais du coup leur crier et demander ce qu'ils en pensent et que je vienne défoncer leur porte et qu'on essaye de tracer. Mais là, le mec, t'es dans la merde, là, il y en a 25 devant toi, tu vas pas. Mais non, t'attends, on va. Ils sont morts, ils sont condamnés. T'es toi, voilà. t'es mort, t'es un jeune. Là, on approche de la cinématique de la mort. Ils vont se faire buter. Oui. Ah, parce que je suis sûr que si on s'y met tous ensemble, on bourre. Je suis sûr qu'on peut. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Vous deux, je vais vous parler en tant que vrai nain, de la vraie mentalité naine. Je suis pas chez moi, alors taillot. Donc Spiritus, finalement, qu'est-ce que tu décides? Bah, je vous le dis, les mecs, hein, je vous demande franchement, je suis sûr à nous tous, si on réussit à bourrer à fond, pour mais un peu. Non, mais là, mec, mais non, mais on attend un peu qu'il y en ait environ 5 qui soient morts. Bah, c'est pas parce qu'on est des daubes qu'on va pas faire. Bon, ok, là, je viens de rater mon premier lancer, mais je sais que le deuxième, ce sera bon parce que c'est statistique. À part ça, c'est toi. Et visiblement, les bruits de monstres qui s'extirpent de la terre. Et bien attends, mais là, mec, si on bourre pas maintenant, c'est foutu. Déjà, techniquement, juste me dire une chose, on a du bol, ça vient pas de dessous notre cellule. Vous avez de la chance. Pour l'instant. Mais de toute façon, c'est sûr qu'ils vont entendre des bruits en haut et qu'ils vont arriver en bas avec des millions de soldats, enfin, des millions. Au début, il y en a pas beaucoup, et puis ensuite, il va y avoir des renforts. Vous entendez tous des hurlements de partout dans le château qui vous laissent soupçonner que certaines créatures ont commencé à emprunter les escaliers. Et là, il y a Dragon Mania qui va arriver, il va aller tous les déglinguer. Voilà, moi, je vais donner mon analyse personnelle. Ça ressemble plutôt à des insectes, extérieurement. Je sais pas si c'est le cas, en fait. C'est des trucs. Les traductions, ils sont tous identiques et en grand nombre. Traduction, c'est-à-dire que c'est faut une sorte la reine. Non, ça veut dire que c'est une sorte de mini-société qui viennent, entre guillemets, des souterrains. Et traduction, c'est putain de connerie. Ça peut, entre guillemets, arriver n'importe où. Et ça veut dire que ce qu'on voit, c'est peut-être juste la partie immergée de l'iceberg. C'est tout. Traduction, il y en a encore plus. Donc moi, je suis dit... Faut suivre Spiritus et voilà, donc, faut qu'on se casse d'ici. Je ne suis pas défoncé. En même temps, je vais dire qu'est-ce que vous allez devenir dans votre cellule, sinon. Bah oui, c'est ça surtout. Bah, mais moi je vais me faire déglinguer, donc je vais aller sur le dos de Spiritus, il va s'en prendre plein la gueule, on va mourir, voilà. Mais voilà, là il y en a 13 devant nous, tu veux qu'on fasse quoi? Et bah, contente de bourrer, on verra bien ce qui se passe. Il y en a d'autres.
Mais si je me réveille, je sais pas que t'as la gueule de bois. Vous pourriez réveiller votre compagnon, tiens, au prochain tour. Non, je vais le bouger d'abord. Spiritus, la décision te revient. Mais je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que je bourre le truc que je viens d'essayer de buter ou est-ce que je vais libérer les autres? Mais bourre-le, d'abord bourre-le. Non, mais au pire, de toute façon, les gardes là, comment dire? Ici déjà, à mon avis, ils vont sentir l'odeur du sang, donc ils vont arriver les autres là. Ils vont peut-être aller tous les chercher. Regarde, là, il y en a déjà deux là. Les deux autres, ils vont entendre des hurlements, ils vont regarder. Et là, c'est là qu'il faut se barrer. Mais je te signale qu'il y a du sang ici aussi. Oui, mais là, on s'en fout. Mais oui, mais là, il y en a trop. Là, il y en a beaucoup trop ici, donc là, c'est là qu'il faut les dégager. Genre, ouais. Non, j'ai pas de potion ni rien. J'ai pas de truc, non. J'y arrive vraiment rien. T'as pas trop de trucs swag, non. Non, mais. T'as pas d'insecticide. Juste, t'as récupéré mon arc, hein, je tiens à le préciser. Mais je sais, hein, mais c'est ce que je voulais faire, essayer de tirer avec ton arc, et toi, pendant ce temps, tu réveilles l'autre con, là. Voilà. Mais réveillez-moi, bordel. Mais non, oui, Spiritus. Est-ce que je peux prendre son bouclier? Oui, Ali, tu peux prendre son bouclier. Ça peut toujours aider à un petit peu. Ok, donc je t'empare de son bouclier, et ensuite... Bah déjà, je vais tenter d'achever celui-là, et puis on verra après. Mais quand tu vas essayer d'achever lui, il y en a un qui va arriver. Donc fais-moi un test de force, tu as le droit à un toi, bonus de 30, de 20, de 20. Oula, je suis pas trop gentil. Voilà, il est étalé sur le dos. 95, putain, mec, si tu perds... C'est pas le moment de foirer, les gens. Hein. 68. Voilà, donc tu saisis le bouclier au passage et tu fonces en donnant un violent coup de patte à la bestiole renversée sur le dos. Elle meurt sur le coup. Il est là, du coup, maintenant. Et pour des raisons de lisibilité, on va peut-être la supprimer, quand même. Mais mets-toi là, du coup, Spiritus, parce que là, t'as pas... Ouais, donc tu peux sortir de la cellule, tant bien que mal. Et donc, hop... Au moment où tu arrives là, donc, les créatures reculent légèrement et se regroupent près de toi, visiblement en train d'essayer d'élaborer une stratégie d'attaque. C'est qui m'a encouragé depuis tout à l'heure à bourrer celle qui était sur le dos? Pendant ce temps-là, Frost, Volker, vous continuez d'entendre des hurlements du côté des gardes. La porte n'a pas encore cédé, mais à cet instant, vous entendez d'horribles hurlements. Un bruit d'os brisé, et vous comprenez que les gardes qui étaient emprisonnés ne sont plus. Ok, donc là déjà, ça sert à rien que tu m'aies donné mon arc, parce que je suis sûr qu'il y en a un qui va spawner là un moment. Donc, oui, spawner. Donc, Volker, pendant ce temps, tu le bourres, tu bourres, comment dire, lui là, tu le balances sur le mur, je sais pas, tu fais quelque chose pour l'éveiller, mais tu le bouges un peu parce que là, on est tous regroupés au même endroit. C'est le seul qui a une idée. Oui. Tu sais ce que j'aime bien avec toi, c'est que à chaque fois que t'as une idée, tout le monde l'a quelques secondes ou quelques heures avant toi. Mais je sais. avant de faire des stratégies de la mort, Okino, fais-moi un test d'intelligence avec un malus de 10. Par contre, tu regardes ma fiche parce que moi je peux pas la voir. Hein. Donc, ouais, ouais. Oui, du coup, c'est moi qui roll. Ah bah non. Il a 60. Je peux rouler, mais je peux pas voir ma fiche. Très bien, ça passe impeccablement. Donc, tu reprends rapidement tes esprits, plus ou moins aidés par Valiette qui tourbillonne autour de toi, affolé et hurlant dans ton esprit des messages de douleur. Donc, tu te rétablis et tu parviens à te relever un peu chancement. Et vous voyez que un certain nombre de ces créatures s'approchent. Et qu'il en surgit encore quelques-unes du sol. Mais je regarde quand même derrière parce que je suis sûr que... Et Spiritus regarde des fois derrière toi aussi parce qu'à mon avis il y en a un. Première chose que je gueule, c'est Spirit. Viens défoncer le mur qui sépare nos deux cellules. Le mur, oui, bien sûr, mais c'est pas lui. Bien sûr, le mur. Je suis peut-être un loup-garou, mais il faut pas déconner non plus. Ce mur est fin. C'est un mur ce mur est en pierre. Oui, mais juste... Allez, il y a juste d'épaisseur, il y a juste deux briques. Tu donnes un coup de poing dedans avec la force d'un loup-garou, le mur il tombe. Ouais, bah il a mal aussi un peu. Vas-y, c'est pas bien de pas avoir confiance en le super mortier. Non, mais je veux dire, ok, c'est un loup-garou, mais c'est pas. Fin... Le mec il a défoncé un mur. C'était une cloison en bois. C'est très différent. Oui, mais c'était une réussite critique. Du bois et de la pierre, la pierre est beaucoup plus solide que le bois, hein, je suis désolé. C'est pas. Mais... Mais je suis désolé, ça c'est que deux. Il y a que deux. Il y a rien d'épaisseur.
Au pire, je pourrais essayer de faire un truc, mais après, c'est un peu dangereux. Après, c'est ce que j'ai un peu, c'est ce que j'ai un peu proposé tout à l'heure, c'est de sortir et venir bourrer par là. La porte serait peut-être plus envisageable, hein, mais bon. Sinon, on peut jouer. Parce que là, on s'en parle. Ouais, Okino. Je tente de lancer. Enlève-toi, Volker. Volker, enlève-toi. Mes deux os. Là. À travers les barreaux. En poussant tout le monde s'il le faut, hein, mais je. Volker. Voilà. Je vais au niveau des barreaux. Retourne-toi, parce que je suis sûr qu'il y en a un qui va arriver. Et donc, tu balances un éclair dans le tas. À travers les barreaux, très bien, bah tu auras un malus de 10 puisque tu tires quand même à travers des barreaux. D'ailleurs un malus de 20 puisque t'as quand même, je suis encore gentil, un malus de 20 parce que tu tires à travers entre des barreaux en métal. C'est quand même plutôt irréaliste, mais bon. J'aurais dit 30 mais c'est bon. Et d'un autre côté, je te rappelle que si le sol est en pierre, les barreaux ils vont rien faire, mais bon. Juste un truc, si les barreaux, la porte elle est en quoi? En bois? Bon, de toute façon, 89, oui. La question ne se pose pas. Bon, question. Chute, voilà. À enfin, donc tu lances un éclair, il percute les barreaux, sans plus de résultats. La porte elle est en bois, c'est ça? La porte est en bois, oui. Ouais, donc traduction, si entre guillemets les barreaux absorbent tout, ça pourrait créer une sorte peut-être d'inflammation qui se répandra sur le bois et on n'aura plus de porte. Donc la question de défoncer le mur ou la porte se posera même plus. Et pas puis faux. Ça fera même un petit mur de flammes que ces créatures pourraient peut-être craindre. Donc, oui, c'est vrai. Sinon, voilà. Juste, tu peux retirer mes 4 points de mana. Parce que du coup, je peux pas sur Gamepad. Ok. Sinon, je vais aussi faire autre chose, parce que je vais faire quelque chose. Je suis sûr que ça va leur faire peur. Ok. Je peux ? Ouais. Bah, je vais faire une magie d'illusion de feu devant, un peu devant la porte, donc ils auront sûrement peur, parce que c'est pas non plus des... Ils vont pas se dire, tiens, c'est une illusion. Donc je les mets dans le tas, sur leur genre là, ils vont regarder, ils vont avoir peur, à mon avis, ils vont se barrer genre par là. Donc je vais faire une magie d'illusion. Très bien, donc une grosse flamme. Ok, une grosse. C'est combien? C'est en quoi? C'est adresse? C'est intelligence. C'est jamais. Oui, intelligence. La magie, okay, quoi. Je vais... Allez. J'ai pas regardé. 11. Bon. Ouais, j'ai réussi. Très bien. Et... Pour il a réussi à faire quelque chose. Donc, tu te concentres et tu fais jaillir une grosse flamme virtuelle en plein milieu de ces créatures qui, affolées, commencent à reculer en criant et s'éloignent du feu. Un cri du genre bestial ou un cri du genre humain? Genre bestial, cri d'insecte. Ok. Par là, et pas lui. Quelqu'un a déjà essayé de faire cramer un insecte pour savoir le bruit que ça fait. Les insectes ne crient rarement. Tu peux faire pas la tête. Crame les araignées. Mais en même temps, les insectes font rarement 2 mètres. C'est un cri d'insecte géant, c'est un cri strident la plupart du temps. Et donc, Frost, toi qui vois à travers les barreaux, tu vois quand même un spectacle assez abominable de l'autre côté de la pièce. Bruh. Effectivement, là. Du coup, j'ai mis la flamme là, donc il devrait logiquement avoir peur là, lui là. Ah voilà, oui, bah il commence à s'éloigner un petit peu en pagaille. Ouais, c'est trop cool. Et donc là, là, tu fais une percée tous ensemble, on défonce la porte. Volker, à toi. Vas-y. T'as pas assez de force pour défoncer. Pour voyons voir. Volker. Pourtant, moi, je suis désolé. Juste une question. Ouais. Frosty, qu'est-ce qu'il fait, lui? Sa tronche et... Voilà, il fout rien, c'est ça? Oui, bah Frosty, il est devant la porte, les mains levées, il vient d'invoquer son sort. Rien foutre. Mais non, mais il faut la porte. Bah pas encore. Tu as un compte des sorts. Il y a Okino, là, qui, lui, t'es en train de faire quoi? Qui me remet à peine, qui vient de me réveiller. Voilà, t'es en train de te remettre. La petite boule, je sais même plus qu'est-ce qu'elle fait. C'est Valiel. Oui. Moi, je suis plus sûr que c'est trop Valiel et que ça va, et je pense que ça va devenir autre chose, mais ouais, voilà. Non. Voilà, je m'appuie contre le mur. Ouais. Et je m'élance à toute allure contre la porte. Attends, déjà je bouge parce que là, sinon je viens me prendre. Voilà. Vas-y. Monte sur le lit. Voilà. Très bien, donc tu t'élances contre la porte pour la défoncer. Allez, un petit jet. Allez, bourre dedans. Allez, fais-moi un test de force et défonce-moi cette porte. Oui. Il tombe là, il meurt. Assommé. Ouais. Ah, purée, vous êtes. Vous êtes pas possible. Non, c'était pas celle-là. Allez. Musique d'échec critique, s'il vous plaît. Si je me souviens bien, la petite musique d'échec. Voilà. Très bien, donc Volker, tu commences à t'élancer vers la porte. Et donc tu t'élances vers la porte, sauf que, eh bien malheureusement, Frost était dans ton passage encore. Il n'avait pas eu le temps de totalement se décaler malgré ton avertissement. Et mais donc, mais j'étais sur le lit, c'est pas raté, mais sur le lit non plus. Tu n'as pas, Frost, soyons réalistes, tu n'as pas eu le temps de te déplacer de là à là
en une là, seconde. Là, j'ai pas le droit, là, je peux pas, là, faire ça et ça. Tu peux. Eh, t'étais là. Ouais, enfin, t'étais okay, devant la porte, bon. Très bien, donc. Là, tu sonnais, bruh. Voilà. Et donc, Volker, tu te prends le pied dans la jambe de Frost, tu t'étales par terre, hop, et tu perds deux points de vie. T'es quand même gentil là. Tu t'étales par terre et tu prends deux points de vie. Et, et donc, à cet instant, dès que ça va commencer à être sur ma vie, étalé sur le sol, tu sens sous ton ventre que ça vibre encore plus qu'auparavant. Tu sens que les dalles sont en train de bouger sous toi. Mais putain, mais je l'ai dit les gars, derrière, voilà, bien sûr, regarde, voilà, là ça va apparaître Volker, là. Volker, tu as l'impression qu'en tombant sur le sol, tu as réveillé quelque chose. Vibre sous le bide. Sous le bide. Traduction, bah, je vais me faire bouffer vivant. Bon, hein, Volker, c'était sympa. On trouvera notre médecin, t'inquiète pas, on te reverra. Hein. Ouais, je casse. Je vais revenir sous une autre forme. Ouais, bah là tu vas rire. Donc. Ah, c'est ça son évolution à côté, ok, c'est toi. Donc tu as enlevé tes points de vie, c'est bien. Le pauvre Valiel. Oh mon dieu. Ok, donc c'est à toi, Spiritus, pendant que c'est clairement la merde. Et que une de ces créatures s'élance sur toi. Oh, mais non, du coup, parade, hein. Parce que j'ai pas envie de me faire défoncer. Hop. Voilà, donc tu peux tenter une parade. Ça foire complètement. C'était une parade extrêmement mauvaise. Et donc, la petite créature se jette vers toi, les mandibules tendues, et te fait une petite entaille au niveau de l'épaule. Je suis sûr que si t'avais décidé de défoncer le mur, t'aurais réussi, tu te serais pas fait bouffer. Mais bon. Oui, bien sûr. Je suis désolé, les murs en pierre, on va être cohérent aujourd'hui. Oui. Très bien. Et donc, tu perds 5 points de vie. Putain. Ouh. C'est mal. Il a combien de points de vie déjà? J'ai oublié. Beaucoup trop. 30. On est 40. Oh, 40. Bon, j'en ai. On n'est pas dit qu'on rabaissait à 35. Et eh ben. Bon. Non, c'est bon. Moi, j'ai que très bien, donc Spiritus, c'est à toi, que fais-tu? Est-ce que je peux directement un peu faire une sorte d'attaque de zone avec le bouclier pour en éloigner de moi le maximum? Tu peux faire ton hurlement. Ah, tu peux faire ton hurlement, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde l'oublie. Un gros gros, c'est un méchant gros gros, gros. Alors attends, c'est. Échec critique, il fait juste un ouf. Ah ouf. Ok, donc. Tu tentes un hurlement ou. Il faut du courage là, à mon avis. C'est du charisme. Ah ou du charisme, moi. J'ai du charisme. La bière. Tellement. 78. Allez, voilà, tu fais un ouf ouf. Charisme, j'en ai 40. Plus sinon, ça passe pas. Ça, attends, c'est 78, non, c'est bon, ça passera jamais. Donc, le monstre t'attaque, tu tentes de rugir pour les repousser, mais tu ne parviens qu'à produire un petit gémissement sous l'effet de la douleur. Et les créatures agitent les mandibules et se déplacent lentement vers toi. Surtout celles qui viennent d'être repoussées par le feu et donc qui se tournent à présent dans ta direction. J'avais plus de chance de faire une attaque de zone pour les repousser. Pendant que certaines de ces créatures donc qui fuient et qui partent se joindre apparemment au festin. Bah je vous l'avais dit, allez voilà. Toi t'es sûr. Attends, mais feu, tu connais pendant ce temps-là, Okino, que fais-tu? Donc Valiel commence lui à vibrer, à se déplacer dans tous les sens, comme s'il était devenu fou. Mal, putain. Tu perçois à travers ton lien mental qu'il a l'air de souffrir beaucoup de des émanations magiques. Mais au pire, tu peux pas le prendre. Personne te l'aura balancé. Je le contrôle plus là. Mais du coup, ce que je fais, c'est je vais pas me concentrer sur lui. Je vais le laisser. Un Volker. Et je vais retenter un éclair en visant la zone à côté où ils sont tous pas celle en face, celle où ils sont tous amassés autour de Spirit. Ouais. Très bien, donc tu fais un truc qui est tellement MLG là que t'as toujours ton malus de 20. Parce que là c'est des trucs MLG mais c'est n'importe quoi. Et pour information, vu qu'ils sont éloignés de la porte, je passe ma main à travers les barreaux pour le tirer le sort. Ouais, là ça mérite un malus de 10 là, j'ai envie de dire c'est bon là, il passe sa main, c'est bon. Hein. Et donc la situation semble empirer encore et encore, de nouvelles hop, créatures continuent à sortir de partout et vous commencez à douter que vous alliez pouvoir vous en sortir. Comme d'habitude. Moi je m'en fous, mon sort il passe. Ton sort passe, effectivement. Et donc tu touches
plusieurs, donc deux de ces créatures qui étaient le plus exposées, et tu leur infliges visiblement une violente douleur. Elles déguerpissent en gémissant, en se traînant un peu sur le sol. Je lance le D6 et là je vois le résultat du dé. Tu es moche. Très bien. Avec plus, donc avec mes dégâts de foudre en plus. C'est pas que j'ai oublié de couper l'épisode, mais j'ai oublié de couper l'épisode. Donc sur ce, eh bien, on se retrouvera peut-être pour la mort de ces braves gens dans le prochain épisode. Salut. Au revoir. Faites des semaines.